Mais salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode sur FS19. Et aujourd'hui, donc du coup à la place de 20, j'ai basculé à 15 modes et on verra ce que ça va donner. Au niveau du temps, j'ai trié effectivement comme je l'avais annoncé. Maintenant, je vais trier plutôt que de faire à mesure parce qu'autrement, comme je l'ai dit, ça fait un peu l'usine. On se retrouve ce soir pour du Snow Winner. Et on va continuer tranquillement sur la péninsule de Kola. Bref, on est parti avec ce petit Fiat 570 HDT avec un petit gyrophare. Et donc du coup j'ai pris un petit d'origine. Alors normalement ça va être juste, hein. Il m'avait annoncé qu'il fallait 100 chevaux normalement. Et je les ai pas. Je vais me mettre de l'autre côté plutôt. Faudrait que j'enlève mes buts, faudrait que je refasse une partie à zéro et puis que je renlève mes buts que j'ai fait, hein, parce que ça fait un sacré bordel. Alors en espérant que je puisse le traîner. Donc ça devrait bien se passer, voilà. Ça passe. Alors c'est juste pour voir un petit peu la gueule du Tagazu et non ce qu'il y a derrière, hein, pour le coup, puisque c'est d'origine. Pas vilain, vous savez que je suis assez amateur de Fiat en règle générale. Et celui-là je le trouve bien sympa. On peut l'avoir en 4 roues et en 2 roues motrices. Le Fiat, alors le Fiat, c'est SMI Modding Team qui l'ont fait. C'est pour tout le monde ce Fiat là. Et donc du coup on va pouvoir y rajouter également une cabine. En tout cas il est bien sympa. Alors pas un gros nombre de chevaux, hein, effectivement. Mais voilà, il fait le taf même pour promener un petit culti. Ça peut normalement bien se passer. Du coup, on va le couper haut et on va regarder ça tout de suite. Hop. Donc du coup, le Fiat, donc en 4 roues ou en 2 roues, comme j'avais dit. En 4 roues, il a 23 000 euros, 60 chevaux, 200 litres dans le réservoir. Il roule à 25. Quand on le loue, c'est 1173 euros. On peut changer la couleur principale et passer sur du comme ceci en couleur. C'est quoi, c'est marron rouge je crois les couleurs Fiat, je me rappelle jamais. Enfin bref, c'est couleur Fiat agri quoi. Configuration en standard, 130 kg de masse à l'avant, 210, 290, 370, 450, 530 et c'est tout. Marque des pneus, Trelleborg, Michelin, Nokian. En Nokian ça fait un peu space quand même. Mitas et c'est tout. Config des roues, standard, pneus large. Ah Dieu, oui. En roue étroite, et c'est tout. Après, on a Scarico Original Long Gauche. Ah, d'accord, donc c'est pour le... j'allais dire le frein à main, comment il s'appelle? Le point d'échappement, my bad. Le mettre en comme ça également, en comme ce, et c'est tout. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Système d'attelage original, attaque. Donc là, c'est pour... Donc là, on a la queue de pie, en fait, et là, on est au piton. Ok. Et c'est tout. Config moteur 57, 67, 100. Et c'est tout. On peut monter jusqu'à 100 chevaux quand même. Il y a moyen. Et rajouter soit les arceaux. Alors, arceaux de protection, oui et non, mis à part si tu peux les bouger. Et rajouter une ombrelle en quelque sorte. Soit les carreaux, plus ceci. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, en deux roues, 20 000 euros à l'achat. 60 chevaux, pareil, 200 000 dans le réservoir. Il roule à 25. Il n'y a pas besoin de regarder les configs, c'est exactement les mêmes. Donc voilà un petit peu pour ce Fiat. Ensuite, ben, on va pas faire de coupure puisque j'ai préparé quelques petits trucs. Ça, on le verra plus tard. On va prendre le Xerion avec l'épandeur à fumier. Je suis en train de penser, normalement, j'ai rajouté mon silo. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Ça m'arrange. Du coup, on va pouvoir faire le plein rapidement. Et donc du coup, petit Xerion, je vais dire maintenant, gros Xerion, avec un épandeur qui est assez haut sur patte, je trouve. Hop, on va le charger tranquillement. Ah, je suis allé trop loin, bravo Moret. On va le charger tranquillement, j'ai dit bordel de bite. Donc du coup, Xerion, bon, bah voilà, on a l'habitude, hein, les gros machins, comme d'habitude. L'épandeur, alors on a un petit trou là, après, faut vérifier le chargement, mais en chargeant vous-même, je pense que malgré tout, il y aura un petit trou. Malgré tout. En tout cas, pas mal les pandas. Assez, assez gros, hein. Assez gros, assez perché quand même. Et donc, du coup, le Xerion. Un assez gros bruit, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a une porte? Oui, il y a une porte à bouger. Et on est parti, mon kiki. Donc, ça lève ici également. Et c'est parti. Bon, on va pas en épandre 15 tonnes, mais il a l'air d'épandre assez large. Fumier bien, bien épandu. J'aime bien l'image du fumier. En règle générale, quand elle est épandue. Et voilà, c'est un épandeur, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, le Xerion, c'est Smetti qui l'a fait, c'est pour tout le monde. Et donc, du coup, l'épandeur, c'est Belgian 3DM. Et c'est que pour PC.
Voilà, un petit peu pour ces deux modes là. On va regarder ça tout de suite. En tout cas, pas vilain. Pas vilain, pas vilain. J'aime ce. J'aime ce. Ça a l'air de pas trop mal tourner, en tout cas sur les pandeurs à fumier. Après, il se promène hein, le Xerion. Parce que les pandeurs, certes, il est haut sur pattes, mais il faut pas non plus un nombre de chevaux phénoménal pour pouvoir le traîner. Il y a un autre truc aussi. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer comme ça? Quand on tourne vraiment à fond, voilà. Vous voyez la cabine? Enfin, le pont avant suspendu, plutôt. Du coup, c'est assez terrible comme c'est voyant. Donc, pour ces deux outils-là, le Xerion pour commencer. Qui est ici, 350 200 € à l'achat, 483 chevaux, 620 litres dans le réservoir, il roule à 55. Quand on le loue, c'est 17 860 €. On peut changer la couleur des jantes, la couleur principale et la couleur du motif. Et donc du coup, config, alors standard, pour ajouter des poids à l'arrière. On ne sait pas le nombre par contre, ok. Marque des pneus, Trelleborg, Michelin, Mitas, Nokian. Et c'est tout. Config des roues. Donc là, on est en 710 75 R42. L'appareil, sauf qu'il y a les... Oh, je ne sais jamais comment ça s'appelle ça. Vous pourriez me redire le nom, s'il vous plaît. Je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. Donc là, on est en 870 R38. Pneus larges. Roues jumelées. Pneus étroits. Pneus étroits jumelés. Et c'est tout. Normalement, c'est tout. Oui, c'est tout. Ok. Donc là... Qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute ceci derrière. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc pareil pour les connaisseurs, bah dites-moi. Et c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 1800 kg de masse à l'avant. On peut aller jusqu'à 2200, 2600. Le relevage avant. Et c'est tout. La config moteur, on a 483 chevaux, 524. Et c'est tout. Et donc du coup, side design. Ah, c'est pour rajouter... les plaques EU, ou c'est tout, tout simplement, ok. Et donc du coup, pour les pendeurs à fumier, qui est ici, les pendeurs Record, 86 250 € à l'achat, 160 chevaux pour s'en serrer, on amène 17 745 litres dedans, et on y prend sur 24 mètres de large, on roule à 20 quand on s'en sert. Ça prend la chaux également. Et quand on le loue, c'est 4 454 €. Marque des pneus Michelin. Trelleborg, et c'est tout. Donc là, on est en cargo XBib HF. Et en Trelleborg, on est en standard. Voilà. Et donc, du coup, l'arbre de prise de force. Donc, Watershed 1, Watershed 2. Ok. Ouais, ça change de cardan, quoi. Je crois que, si je dis pas de conneries, hein, la différence entre les deux. Donc, ça, c'est un cardan classique. Et ça, c'est un cardan à. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom en tête. En fait, il y en a un, vaut mieux rester droit. Bon, tu peux tourner quand même, mais tu vas l'entendre grogner un peu. Et le second, tu peux tourner, il n'y a pas de souci, il grognera pas. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, j'ai plus le nom en tête, mais ça me reviendra probablement. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc ensuite, nous voilà partis avec ce JCB Fast Track, pas vilain. Et donc du coup, le smore derrière, ce smore-là, j'en ai un pas très loin de chez moi. C'est pas mal, tu as la position transport et la position... semi, enfin travail des champs plutôt, et j'en ai un pas loin de chez moi, et c'est plutôt sympa. Par contre, le problème que j'ai avec, il faudra qu'on teste juste après, je vais tâcher de récupérer un tagazu par là, histoire de voir, c'est que la roupette, j'ai une roue qui touche pas, et je me demande si ça vient pas du tagazu. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que vous pointez en position de transport comme ceci, vous pouvez, alors si je dis pas de sottises, donc vous allez, avec votre clic droit, pardon, vous allez pouvoir déplier tout ça. Alors normalement, tu déplies la petite échelle en premier, ensuite ça va déplier la flèche ici, voilà, et normalement pour finir ça devrait rabattre les roues, mais ça pas avec la même touche. Et donc du coup, donc là c'était de gauche à droite, et quand vous montez baisser, ben, vous allez baisser les roues, ce qui va faire que ça va se mettre en position travail. Ensuite il suffit tout simplement de changer la sélection d'outils, vous enlevez ça, vous avez votre adaptateur. Alors, est-ce que l'adaptateur, on le laisse? Ou est-ce qu'il faut absolument l'enlever? La question que je me pose, justement. On va pas tarder de le découvrir. Normalement, on peut avec. Donc, tu peux le garder ou à la limite l'enlever. Ça, c'est toi qui vois. Par contre, il est déjà au bas, mon adaptateur. Si je monte, qu'est-ce que ça va donner? Normalement, ça va monter plus haut, mais est-ce que les roues vont continuer de toucher? Ouais, mais il vaut mieux faire ça. Et donc du coup, en principe, on devrait pouvoir baisser. Ok, donc tu peux le garder, là n'est pas le problème. Et donc du coup, on va se tester ça rapidement. Donc vous pouvez enlever. Alors je ne sais pas montrer. Vous avez le bouchon derrière, vous pouvez l'enlever tout simplement. Et enlever les boches.
pour mettre de l'engrais, etc., etc. Ok, donc du coup on est parti mon kiki, on va mettre en branle tous ceux. Alors ça, j'allais dire ça tourne. T'as pas besoin de le mettre en route? Eh bien si, normalement. Alors attendez, petit sous-sail, on dirait. Normalement tu peux semer en direct avec, mais là ça fonctionne pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever l'adaptateur cette fois-ci. Pour voir un petit peu. Hop, je vais bourrer ça au bord du champ. Hop. Et donc du coup on va retester. Alors, en espérant que ça fonctionne. Ou alors faut brancher nous-mêmes. Est-ce qu'il faut brancher nous-mêmes, Maurice? Alors, mon petit. Donc là. Ah ok. Donc il faut enlever l'adaptateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Ok. Ok, ok. Eh ben on est parti mon kiki, on va se faire un petit attelé. Une petite attelée, pardon. Ah il dégage de la poussière. Il dégage de la poussière. En vue intérieure. En vue intérieure, c'est pas vilain aussi. Ok. Ok, ok. Et donc du coup. On va se faire un petit aller comme ceci. Alors, j'ai bien peur d'une chose. Il faudra attendre qu'il s'arrête. Déjà, les rouleaux derrière. Est-ce qu'ils vont se mettre? J'ai cru qu'ils allaient rouler quand même quand il est élevé. Mais non, j'ai rien dit. Ok. Ok, ok. Ben, c'est pas vilain comme ça mort, j'aime bien. Alors, c'est, je m'en doutais qu'on allait pouvoir faire ça. En fait, tu peux le replier comme un guignol. Mais, ah bon, voilà. On va rester dans le réalisme et le laisser un petit peu à sa place quand même. Voilà, tu peux semer soit en travaillant le champ avant, soit en direct. Ça, vous l'aurez compris. En tout cas, c'est pas mal comme ça mort. C'est pas mal, c'est pas mal. Je mets un près de chez moi. Et je trouve ça toujours assez impressionnant de le voir tourner. Donc du coup, tout ça. Alors, le JCBO. Le JCB, où c'est qu'il est Maurice? Le JCB, il est là. C'est Chardy qui l'a fait, c'est pour tout le monde. Et donc du coup, le semoir. Où est-ce qu'il est le semoir? Le semoir, le semoir, le semoir. C'est Agrotono qui l'a fait et c'est pour tout le monde également. Du coup, le JCB, dans gros, Tagazu. 225 000 euros à l'achat, 280 chevaux, 550 litres dans le réservoir et on roule à 70 avec. Quand on le loue, c'est 11 475 euros. On peut changer la couleur des jantes. Marque des pneus, Trelborg, Nokian, mais là c'est en roue arrière jumelée. Et c'est tout. Config des roues, standard, pneus larges, roue arrière jumelée, toutes les roues jumelées et c'est tout. Et config moteur, 280, 320 et c'est tout. Okay, donc voilà pour le JCB. Et pour le semoir cette fois-ci. Alors le semoir, 76 500 euros à l'achat, 225 chevaux pour s'en servir. On emmène 7310 litres dedans. Et donc du coup c'est un semoir de 7 mètres. On roule à 18 quand on s'en sert. On peut semer de la semence et on a l'engrais avec. Et toutes les cultures habituelles. Et je ne suis pas sûr de ce que je dis puisque la betterave et le coton, une nouvelle fois, normalement c'est pas prévu dedans. Ni le maïs, ni le tournesol. Mais là, on peut tout semer avec. Ok. Et donc, du coup, l'adaptateur est dans divers. Il est ici 1200 euros à l'achat. Et quand on le loue, c'est 61 euros. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. Allez, on est reparti cette fois-ci avec la chargeuse NMC. Donc, du coup, quand vous montez dedans, la porte va s'ouvrir et se refermer toute seule. La vue est un peu bizarre, non? Non, je trouvais un peu. Je trouvais ça un peu spécial. Vu externe, mais. Attendez, quand on descend, le siège il bouge, on est d'accord? Ah, oui, d'accord. Ok, ok, donc le siège se tourne, tu montes dedans, hop, la porte se ferme et le siège se tourne. Ok, donc du coup, chargeuse, hein, pas la pince devant, chargeuse NMC des North Modding Company, voilà. Ensuite, nous avons avec tout ça une petite remorque à bois que j'ai tenu à présenter parce que je trouve ça assez sympa. Alors, vous avez la possibilité soit de charger directement en coupant les bouts de bois avec la tronçonneuse et après vous débrouillez, vous chargez avec une chargeuse ou un télescopique ou autre, ou alors soit je suppose, je vais essayer ça tout de suite et c'est ça qui m'intéressait le plus, plutôt que de charger ça à la chargeuse, vous avez la possibilité, je suppose, de faire ceci et probablement de charger à la main, s'il veut bien me le charger, j'ai pris trop gros, c'est ça qui est un petit peu chiant avec l'outil, enfin avec l'outil, quand tu coupes à la main, c'est plus tu pas sûr de ton coup, et là, ça veut toujours pas marcher, c'est terrible quand même, je me retrouve avec des rondelles. Donc là, normalement, ça va pas être assez large, ce coup-là. Là, je vais bien me le charger comme ça, Maurice, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir charger à la main? On va pouvoir charger à la main. Donc, il n'y a pas forcément besoin que ce soit
très grand. Ça passe comme ça. Donc les plus gros bouts passent. Et puis après, bon, bon voilà, vous aurez compris, vous sanglez. Et puis voilà. En tout cas, c'est pas mal comme truc. J'aime ce, j'aime ce, j'aime ça. Alors faut pas faire comme moi et pas prendre aussi large, bien sûr. Hop. Et hop. Et normalement, ça passe aussi. Alors j'ai pas trop bien chargé. Après, à vous de voir, hein, vous débrouillez, hein, vous êtes grand. Hein. Et sinon, ce que tu fais, bah, tu prends directement Nardinamouk à la chargeuse. Et on va essayer de charger, mais je suis pas convaincu de la chose. Je suis pas convaincu du tout. Surtout avec une grosse passe comme ça pour un petit bout de bois comme ça. Je l'avais dit. Salope! Alors, viens voir si on va continuer plutôt avec ça. Vous savez, je suis un handicapé avec ça en règle générale. Et normalement, tu peux charger directement en longueur. Après, à toi de voir si tu veux te faire chier à faire ça à la main tranquillement ou avec une machine. Moi, personnellement, j'aime bien. Alors, j'aime bien les deux. Le bois, en règle générale, j'ai du mal sur FS19, mais. Voilà, ça peut aller. Mais à la main, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et donc, du coup, avec ça, donc, effectivement, on a la petite remorque et le John Deere également. Petit joint d'air bien sympathique. À 5075E. Où est l'endroit où on vend le bouet? Je ne me rappelle jamais. La chaufferie biomasse. Je ne sais pas s'ils prennent le bois entier. Ils prennent le bois entier. Alors, où est mon joint d'air? Il est là. On va tâcher de s'y rendre vite, Zef. Histoire de. Faire tourner un peu John Deere quand même. Enfin, je ne sais pas si on ira jusque là-bas, mais vous aurez compris, histoire de faire tourner un peu le gazou. Donc du coup, la chargeuse de North Modding Company. Chargeuse, où c'est qu'elle est. La chargeuse, elle est pour tout le monde. Le joint d'air, donc le JD 5075E de JA Modding et de Agrotono qui est pour tout le monde également. Et la remorque à bois, c'est Rolly Christie qui l'a fait. Et elle est également pour tout le monde. Donc du coup, nous voilà avec un beau petit paquet de 3 modes bien sympa. J'aime beaucoup la remorque à bois, même si elle est toute simple, là tu vas me dire. J'aime beaucoup la remorque à bois. Et je ne verrai pas vilain également. Au petit agazou, hein, en règle générale, j'aime ça. Les petits tracteurs. Ouais, on n'ira pas jusqu'à la chaufferie. C'était histoire de vous montrer un petit peu comme le joint d'air il fonctionne. Alors j'ai pas regardé, mais j'espère qu'on va pouvoir y mettre un gyrophare. Ça m'arrangerait. Du coup, pour la chargeuse. Pour la chargeuse, je ne sais plus où c'est, celle-là, voilà. Non, c'est pas là-dedans, Maurice. Je suis perdu, hein. Vie ma vie, chargeuse sur pneu. 165 000 € à l'achat, 300 chevaux, 400 litres dans le réservoir, elle roule à 50. Quant au Lalou, c'est 8 415 €. On peut changer la couleur des jantes, la couleur principale et la couleur du motif. Ok, donc le motif, c'est tout ça. Ok. Marque des pneus, Trelleborg, Nokian. C'est tout, ok, donc on reste en standard. Et config légère standard. Et rajouter le shield phare, une bonne rampe de phare, même sur le côté et sur l'arrière, ok. Plus les balises, ok, donc plus les gyrophares. Et c'est tout, ok. Pas vilain, pas vilain. Et donc du coup, pour le John Deere, alors, le John Deere qui est ici. 100 000 € à l'achat, 75 chevaux, 265 litres dans le réservoir, il roule à 40. Quand on le loue, c'est 5 100 €. Config standard. 360 kg de masse, 560, c'est tout. Personnalisé standard, donc là c'est pour ajouter les garde-boue et c'est tout. Config moteur 75 chevaux, 78, 85, 90, c'est tout. Ok, donc on bascule sur un 5090E. On peut mettre un chargeur, du coup ce qui déplace le pot. Ok, et donc du coup, config des roues standard, masse d'équilibrage, pneu étroit et c'est tout. Ok, pas de gyrophare, c'est dommage. Ça aurait pu être sympa. Et du coup, la remorque à bois, alors je sais plus si elle est dans divers ou équipements forestiers, elle est là. 4 000 € à l'achat, quand on la loue, c'est 204 €. On peut changer la couleur des jantes et la couleur principale. Voilà un petit peu pour ces 3 modes. Allez, on se retrouve cette fois-ci avec le joint d'air. Il est à tort. Et donc, du coup, on va pouvoir y atteler soit quelque chose à l'arrière ou soit mettre ceci. Donc là. C'est un pulvé, ici c'est un plateau classique où normalement tu peux mettre des bottes, si je dis pas de conneries. Mais je vois pas les sangles. Les sangles, est-ce qu'elles interviennent quand on l'accroche? Alors attends, on va vérifier tout de suite, pas qu'on soit emmerdé. Ah, erreur mon seigneur. Et donc du coup voilà, faut accrocher pour avoir les sangles, ok. Ensuite, on a de quoi mettre le relevage, donc ils ont mis des masses par-dessus. Sanglé à la va-vite, comme un cochon. Et donc du coup, une petite benne. Petite benne qui fait, je crois, 800 litres.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le tester de suite avec le pulvéo. Donc on va tester ça comme ça, bien évidemment. Putain, je suis handicapé pour rentrer dessous ou qu'est-ce qui se passe? Maurice, voilà, ça va mieux aller comme ça. En tout cas, c'est pas mal comme truc. J'aime ça. Donc ça roule à 25, pas plus, hein, effectivement. T'as 400 litres dans le réservoir d'herbicide. Et donc du coup, j'ai pas regardé sur combien de large on est pendé, mais voilà, on verra ça après. Oui, par la suite, vous voyez, on aura ceci. Effectivement, on aura le la broyeur. Enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, IRL. Broyeur automoteur, peut-être. Je sais pas, on verra après. Du coup, le joint d'air. Donc, où c'est que je l'ai mis celui-ci? Le joint d'air, le joint d'air. C'est terrible, hein. Heureusement qu'il n'y en a pas 15 000 parce que j'arrive quand même à me perdre. Eh ben, je l'ai même pas marqué, je crois bien. Vie ma vie. Alors, Fiat pailleuse, JD, une fois des lunettes, hein. Mais des lunettes de vue cette fois-ci. JD Gator avec les outils de Black Sheep qui est pour tout le monde. Qui est pour tout le monde, qui est pour tout le monde. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va se faire les deux petites longueurs ici. On va pas aller plus loin. Hop. En tout cas, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc, du coup, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, effectivement, là, on n'a pas réellement d'effet sur ce qu'on fait, mais c'était histoire de vous montrer un petit peu comment que ça fonctionnait. En tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça peut s'utiliser sous serre? Je suis pas sûr. C'est suivant la largeur des serres, je pense. Normalement, hein, je dis bien. Mais peut-être. Peut-être, peut-être. En tout cas, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Donc voilà. Alors, le gâteau. Le gâteau, le gâteau. 15 000 euros l'achat, 23 chevaux, 42 litres dans le réservoir. Et il roule à 25. Quand on le loue, c'est 765 euros. On peut changer la couleur des jantes. La couleur principale et la couleur du motif. Enfin, des sièges pour le coup. Config, standard, 600 kg de masse à l'avant, 900, 1002. Ensuite, design configuration modèle 1, modèle 2 avec le carreau devant, modèle 3 avec les chiasses à cul, avec les bouts de ferraille, on va dire, sauf que ça s'appelle pas comme ça. Là, pour avoir une espèce de cabine. Là, pour avoir un carreau plus ça. Ouais, alors, en gros, tu peux tout faire, quoi. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Les arceaux, voilà, je cherchais le nom. On peut mettre un gyrophare. Alors, est-ce qu'on peut mettre un gyrophare plus ça? Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, config des roues standard, pneus larges, communal, et c'est tout. Et donc, du coup, en dessous, qu'est-ce qu'on a? Éclairage additionnel, donc on peut rajouter ceci devant. Donc, voilà un petit peu pour ça. Avec les outils, donc les outils dans divers, je sais plus ce qu'on trouve. On trouve pour avoir le relevage. Donc 1000 euros à l'achat et quand on le loue, c'est 51 euros. On peut changer la couleur principale, effectivement. Ensuite, on va aller dans Ben. Dans Ben, on a le côté mer en quelque sorte. Oui, 2000 euros à l'achat, 800 litres et ça prend tout. Quand on le loue, c'est 102 euros et on peut rajouter en sylviculture. Du coup, tu peux mettre des bouts de bois dedans à ta guise. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je ne me rappelle plus. On avait le pulvé qu'on vient de se servir. 2000 euros à l'achat. 400 litres de capacité, on n'est pas sur 5 mètres de large, donc ça devrait passer sous serre normalement. Et on roule à 12, quand on le loue, c'est 102 euros. Et donc du coup, le plateau, enfin le plateau en quelque sorte, 1500 euros à l'achat, et quand on le loue, c'est 76 euros. Bon petit pack, je trouve, bien sympa. Faudra voir ce qu'on pourrait en faire. Allez, on est reparti avec la presse NH en balle carrée, donc ancienne presse, hein. Ancienne presse, ancienne presse. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut juste normalement déplier et puis presser. Alors, enlever la bâche. Ok. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de recharger la presse, si je dis pas de conneries. Normalement, on a un petit gyrophare dessus. Pas mal. Et donc, du coup, on va se faire quelques petites bretouilles vite fait. Donc, on peut rajouter de la mélasse. Alors, je vois un truc 0% là. Tac, j'ai pas pour ajouter de la mélasse. J'ai rien du tout pour ajouter ça. Alors j'ai pas trop regardé, mais je ne crois pas qu'on ait ça. Hein. On n'a pas ça. Ça là, vous voyez qu'on a 0% qui s'affiche au-dessus. Je me demande si on peut pas le recharger. Ben. Je me le demande. Ah, il fait même le petit bruit et tout. Quand ça change de botte. Ça, c'est cool ça. C'est cool. Les bottes n'ont pas l'air d'avoir la même gueule que d'habitude. Ok. Donc quoi ça, à chaque fois que tu changes de botte, ça fait ça. Ok. Putain, c'est bien sympa ça. Tu vas déjà le savoir. Du coup, la presse NH. Je vais garder, je pense. C'est 4D Madine qui l'a fait, c'est pour tout le monde.
Mais en tout cas, elle est bien couleur. Je ne presse plus pendant que je le veux. Et du coup, je voudrais voir ce que ça va donner quand on va la décharger. Alors, déchargement sans Roger. Je voudrais voir la gueule des bottes aussi. C'est pas mal quand même. Hein. Elles sont pas mal. Enfin, ça change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas. Voilà, tu vois, elles sont pas exceptionnelles, mais ça change un peu d'habitude et je trouve ça assez sympa. Donc, pour la presse NH. Alors, la presse NH. 17 500 € à l'achat, 95 chevaux pour s'en servir. Des bottes de 3916 litres. Pour une fois, ça change. Et on roule à 16 quand on s'en sert. Ah, c'est de l'eau qu'on peut mettre dedans. Des balles avec la paille, l'herbe ou le foin préalablement fauché. Tu peux mettre de l'eau. Ok. Et quand tu la loues, c'est 934 €. Hireux, désolé, j'ai dû faire une coupure. Donc on est reparti pour la presse. Marque des pneus, Lizard, Michelin, Trelleborg. Et c'est tout. Donc là, on peut changer, quand on est en Lizard, on peut changer la config des roues et en Michelin aussi. Okay. Donc là, on a Road 385 50R 22.5. Là, on a 385 50R 22.5. Bah, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Malgré que ce soit pas pareil. Ok, c'est pas très grave. Bon, je vais juste les montrer comme ça. Et donc, du coup, là, on a en roue ballon. Ok. Et c'est tout normal. Ok. Personnalisé, donc là on a norme de presse D800Y. Là on nous rajoute un extincteur. Là on a rajouté un extincteur là. Et là je suppose qu'on a les deux. Ok. Ok, ok. Ensuite, personnalisé, donc là c'est pour rajouter probablement une plaque. En effet. Alors là c'était en quoi? Alors Cork Reg. Clar Reg. Cavan Reg. Alors autant que tu me parles en chinois. Dublin! Ouais, on a une chier de plaques. Okay. Donc voilà, celui qui voudra la prendre comme il voudra, il fera ce qu'il voudra. Donc voilà un petit peu pour la presse. Allez, on est reparti avec cette auto-chargeuse. Classe. On va pouvoir soit lever via le clic de souris, soit baisser. Enfin, vous faites comme vous voulez après. La déplier également. Voilà. Donc du coup, c'est la classe Pantone 3800K. Je vais basculer de l'autre côté. De prendre là. Ah, j'ai tout bouffé l'andin, donc je sais même pas si je vais faire comme ça. Je pense que je vais plus revenir là. Du coup, cette auto-chargeuse qui est de White Bull et qui est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde, cette auto-chargeuse là. Alors, je vais pas pouvoir en charger beaucoup parce que j'ai fait le plan avant. Malheureusement, je vais pas pouvoir encore. Je vais peut-être pouvoir récupérer un bout d'andin de l'autre côté. Histoire 2, mais je sais pas si je pourrais l'empire. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Bon, du coup, une auto-chargeuse, hein. Ça fait pas mal son boulot. Je voudrais voir un peu le remplissage. Je sais pas si je vais pouvoir le faire jusqu'au bout. Ça m'étonnerait. Je suis à 16%. On va essayer encore un petit peu, histoire de voir. Bon, du coup, le jaune vert devant, c'est celui d'origine, hein, vous l'aurez compris. On va essayer de récupérer un petit peu là, tant pis si j'ai solé pas peine, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Hop, on va recharger encore un petit peu. Et on stoppera là pour l'auto-chargeuse. Du coup, pas mal, pas mal, pas mal. Je ne sais. Alors IRL, je ne sais pas réellement. Alors ça, c'est moins bien par contre. Ça dépasse là au milieu. Ça dépasse là-bas. C'est un peu moins cool. IRL, je ne sais pas trop comment ça se charge. Donc moi, je ne peux pas ouvrir ma bouche là-dessus. Puisque je n'en ai pas. Mais c'est dommage que ça traverse là-bas par contre. C'est bien dommage. Mais sinon, elle n'est pas vilaine. Elle n'est pas vilaine, elle n'est pas vilaine. Donc cette auto-chargeuse de White Bull, elle est assez au perché également. Elle est ici, 28 000 € à l'achat, 90 chevaux pour s'en servir, on emmène 35 000 litres dedans, on roule à 20 quand on s'en sert, ça prend les trucs habituels effectivement, et quand on la loue, 1 428 €. Donc voilà un petit peu pour la chargeuse. Allez, on est reparti avec le broyeur à bois automoteur, alors moi j'appelle ça comme ça, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Du coup, on le déplie avec X, effectivement, comme d'habitude, on a un tapis, la pince, et donc du coup, enfin la grue, et donc du coup la goulotte. On va appuyer sur O. Alors, est-ce qu'il va me la capter toute seule? Il va me la capter toute seule, ok. Bon, vue intérieure, j'ai déjà vu tourner 2-3 fois ce genre de truc là. Ça a l'air d'être à peu près pareil. Alors, je suis pas monté dedans, mais voilà. On a vu la grue également. Alors, est-ce qu'il faut faire une sélection d'outils pour utiliser la grue ou pas? Bras de soutien. Ok, donc il va falloir appuyer sur G plusieurs fois. Décharger ici, changer de mode de tir, ok. Donc, du coup, sinon, alors, apparemment, on peut changer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut changer? Ah, tu peux mettre une espèce de cale. Ah oui, j'avais pas vu les pieds devant.
Enfin, le pied. Les pieds, pardon. Ok. Ok. Et ben ça marche. Donc on en a deux même. On a pour déplier. Et on a le deuxième où tu peux baisser le pied. Ok. Ok. Je ne sais pas, j'y connais rien. Donc, moi, je découvre. Donc on peut mettre donc on met en route tranquillement. La grue, le truc habituel où j'en chie comme un voleur, bien entendu. Et donc du coup, je l'ai loupé. Ah, je suis vraiment un boulet pour faire du bois, ça m'agace. Pas le temps que j'en ai pas chargé. Je ne me rappelle même plus comment qu'on fait. Et donc du coup, on va essayer, hein, c'est pas gagné. Voilà le bras du bonhomme qui bouge à l'intérieur. Alors, si on fait ça, et qu'on lâche comme ça a l'air de pas trop mal prendre. Alors je dis ça, mais ça marche que pour un. Ça crache pas au bout par contre. Bataras. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, j'ai pas compris. Bah vas-y, décharge. Ok, bah il veut pas décharger. Alors pourquoi? J'en sais rien. Ah d'accord, ok, donc j'étais trop devant. Bon, c'est pas très grave, c'est rien. C'est pas très grave, ok. Alors faut vous méfier où vous vous mettez du coup. Mais alors pourquoi la buse elle se tourne si elle capte la benne quand même? Enfin pourquoi? Oui si, pourquoi la buse elle se tourne si elle crache pas dans la benne? Si elle a capté la benne, on l'a vu bouger toute seule, mais elle crache pas dedans. C'est curieux quand même. Curieux, curieux. Pas grave, mais voilà un petit peu la chose. En tout cas, c'est pas mal comme truc. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Du coup, cet outil-là. Alors, le broyeur à bois. C'est White Bull qui l'a fait également. Et c'est pour tout le monde. Et donc, du coup, ce broyeur à bois. Qui est ici, 625 000 euros à l'achat, 612 chevaux, 1210 litres dans le réservoir. On roule à 80 avec et une trémie de 2000 litres. Et donc, du coup, quand on le loue, c'est 31 875 euros. En tout cas, c'est pas vilain comme truc. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Après, bon, voilà, j'ai fait une petite erreur. Au moins, je l'ai testé. Faut pas vous mettre trop en avant avec la benne, sinon vous êtes couillonné. Et donc, du coup, on reste ensemble pour le dernier mode de la journée si j'arrive à le trouver. Qui est normalement devant mon télescopique. Voilà, qui est ici. Donc, Pailleuse Émilie, normalement, c'est une petite patronnerie. C'est Bruno qui a dû la faire. Pailleuse Émilie, effectivement, c'est Bruno Simulagri qui l'a fait. Et c'est pour tout le monde. Donc, vous allez pouvoir mettre une botte. Hein, déjà, vous avez le bras, enfin, les deux bras. Vous pouvez mettre et enlever. Vous allez pouvoir bouger la goulotte et la tourner également. Et donc, du coup, pailler, hein, vous l'aurez compris. Effectivement. Alors, je sais pas pourquoi ça branle comme ça, mais bon. Pas très grave. Donc là, effectivement, c'est le truc d'origine, donc je paille. Hein. Je voudrais bien avoir un peu plus de jet de paille. Ok. Ok. C'est pas bien, le truc. Assez sympa. Assez sympa, assez sympa. Donc normalement, je devrais écouler la botte, hein, effectivement. Voilà. Un petit peu la gueule qu'elle a à l'intérieur. Et donc, du coup, tu peux pas, normalement, je crois, la mettre en route qu'il y a une botte dedans. Voilà, tu sais, tu peux pas faire comme les comme ceux qui sont attelés au cardan ou tagazou. Tu peux pas mettre en branle. Moi, tu me diras, ça sert à rien, mais on aurait pu. Voilà un petit peu pour ça. Donc du coup, la pailleuse. La pailleuse, c'est pas là-dedans, bien sûr. C'est là. 22 000 euros à l'achat, une capacité d'une botte, effectivement. Et quand on la loue, c'est 1122 euros. Alors, je vois que tu peux mettre de la paille, de l'herbe, du foin et de l'enrubanné. Donc tu vas pouvoir dessiler avec également. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais à ce que je vois, tu peux dessiler avec. Donc c'est pas mal. C'est bien sympa même. Ça peut être multitâche. C'est pas vilain comme truc. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Bref, on se topique là pour aujourd'hui, messieurs-dames. On se retrouve ce soir pour du SnowRunner. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine.